Le vendredi, c'est n'importe qui. Aujourd'hui, c'est Hikari. Senshu, Tokyo Crazy Kawaii Palace と A-POP Party というライブに出ました。そして、新曲 Believe が出たばかりの Hikari。よろしくお願いします。今日のラインナップは、アニメ漫画リリース、ルポタージュ、忘れられたゲームの歴史。まず最初はノーライフニュースからご覧ください。どんなニュースがあるでしょうか。どうぞ。Nous voici sur le stand de World of Tanks, un MMORPG occidental qui cartonne en ce moment et qui vient tout juste de sortir au Japon à grand renfort de pub télé, etc. On va aller voir ça tout de suite. Alors que les jeux occidentaux se font relativement discrets au TGS ou bien partagent le même stand que leurs distributeurs japonais, cette année, World of Tanks, le MMO de Wargaming, s'offrait un grand espace pour lui tout seul. Disponible depuis 2010 en Russie et 2011 aux États-Unis et en Europe, cette simulation free-to-play de combat de tank dispose enfin d'un support et de serveurs japonais depuis début septembre et commence à employer les grands moyens pour se faire connaître, surtout auprès du public otaku. World of Tanks est le nom de l'Ottawa. Le plaisir de la global est le même. Surtout, World of Tanks est le nom de l'Otaku. オタク文化ととても親和性がありますので、漫画オタク、アニメオタク、プラモデルオタク、そういうオタク文化ととても親和性があって、それとコラボレーションしながら日本にミリタリーエンターテインメントとして、広げていきたいと考えてます。私はテレビで CM 見ましたので本当にびっくりしましたので、はい、あとは、ガンズ&パンザーのコラボ、これは多分海外でちょっと考えられないものなんですけど、ちょっとお説明ができます。そうですね、海外で考えられないというか、私たちにとってはもうごく自然なことで、ガールズ&パンサーはとても良質のミリタリーエンターテインメントです。で、私たちもとても良質なミリタリーエンターテインメントです。その良質なミリタリーエンターテインメント同士がコラボレーションすることで、お互いのプレイヤーさんにとってとても楽しんでいただける世界が展開されるということで、私たちにとってはそうですね、ガールズ&パンサーとのコラボレーションはとても自然な発想で自然な流れでした。Si le jeu rencontre un grand succès, on peut s'attendre à voir arriver World of Warplanes ou même World of Warships. Si Warplanes a vu sa date de sortie repoussée à la mi-novembre, Warships, lui, devrait bientôt rentrer en phase d'alpha test. C'était le stand de World of Tanks, et oui, parce que au Japon, les tanks, c'est kawaii, c'est moe, c'est avec des filles. Tout de suite, on va voir un truc qui n'a rien à voir, les stands dédiés au cloud gaming. On se souvient des promesses de jeux palpitants sur les terminaux télétexte, câbles, satellites et autres il y a des années et qui s'avéraient être lents et mal fichus. Si en France les box ADSL se voient affublées de manettes, au Japon elles n'existent pas. Depuis quelques temps, on voit donc apparaître des consoles multifonctions dédiées au cloud gaming à brancher directement sur la télévision. Certes, la télévision connectée est largement répandue ici, mais les jeux proposés sont bien moins évolués que les autres services. Hikari TV, qui est déjà intégré dans la box du câble japonais, ainsi que G-Cluster, tente ainsi d'exploiter ce marché. Et ces derniers possèdent des stands relativement étendus par rapport aux éditeurs de jeux historiques. Cloud gaming の technology です。通常はクライアントにプログラムをダウンロードしてゲームを実行するんですけれども、クラウドゲーミングではすべてサーバー側でプログラムを実行します。で、書かれた絵と音をリアルタイムでエンコードして端末に送るので、クライアントはすごく小さな端末、軽い端末で、ゲームを楽しむことができるようになります。そうですね、ちょっとここで挙げてみますけども、アクションゲームであるとか、ハードコアの、ゲームが遊べるようになってます。これはコナミさんからのご提供されているロケットナイトというタイトルアクションゲームなんですけれども、そうですね、まだ日本ではスタートしたばっかりなので、これからだとは思っています。端末が小さいということで注目はいただいて、いろんなところから、お声掛けはされています。あとは我々の技術をですね、こちらの別のブースでやっている NTT プララさんにも提供していますので、そちらを通じての、拡大というのも目指していきたいと思っています。フランスでは、オレンジの IPTV サービスおよび SFR のIPTV サービスに我々のテクノロジーを提供していますので、オレンジさんの IPTV サービスに入ったり、
SFR のサービスに入ったりすると、ゲームオンデマンドというのが中にあって、その中でもう遊べるようになっています。フランスではフランス語をサポートしているタイトルを中心にやっていますので、ゲームの方がマルチランゲージに対応しているものはフランスでも日本でも遊べるようになっています。例えばこのゲーム、今は日本語モードですけれども、フランス語でもこれ動くので、フランスでも提供しています。で、一部日本のパズルゲーム、麻雀であるとか将棋とか囲碁みたいな日本にしかないような、コンテンツもありますし、フランスにしかないようなコンテンツもあります。On vient de voir que le cloud gaming est en pleine expansion au Japon. En France aussi, ça avance. Par contre, voilà, l'inconvénient, c'est qu'en France, on n'a pas encore un Internet aussi rapide qu'au Japon. Sachant qu'à la campagne au Japon, c'est quand même super méga long. Hein. Je précise, il n'y a pas encore la fibre partout. Mais voilà, en tout cas, à Tokyo, c'est très rapide. Sur ce, je vous dis à bientôt et ne loupez pas le reste des news du TGS. Anime manga release のコーナーです。漫画やアニメといえば私がハマっていたのはちょっとダークなんですけど、殺し屋1 今日は、ももへの手紙レトロアモモ。14 ans se sont écoulés depuis Jinro. Aux commandes de ce film sombre et violent, scénarisé par Oshii Mamoru, on trouvait un jeune réalisateur, Okiura Hiroyuki. Celui-ci a continué sa carrière d'animateur sur des projets prestigieux, tout en laissant mûrir en parallèle un long-métrage très personnel qu'il a finalisé en 2012. Ce film, c'est Momo Eno Tegami, Lettre à Momo de son titre français. Après plus de 9 ans de travaux, le réalisateur aura assuré également le scénario et le storyboard de son œuvre. Le résultat est un film très différent de Jinro. Il raconte l'histoire de Momo, une fillette de 11 ans qui suit sa mère de retour sur son île natale, dans la mer intérieure de Seto, une région très rurale du Japon. La petite fille se raccroche à la dernière lettre de son père, où seul son nom figure. Qu'a-t-il bien pu vouloir lui dire avant de mourir ? Momo découvre la vie tranquille de l'île, un peu ennuyeuse, même si quelques enfants de son âge sont là pour lui tenir compagnie. Mais dans le grenier de sa vieille maison, il semble se passer des choses bien étranges. Lettre à Momo est un film très exigeant techniquement, mais à l'ambiance paisible où le malaise de l'héroïne, dont la famille a été secouée récemment par un grand drame, est soulagé par de nouveaux compagnons inattendus. Si le scénario semble parfois souffrir de quelques ellipses, le tout n'en reste pas moins très touchant. Le ton se rapproche plus d'un Pompoko de Takahata que du Totoro de Miyazaki. D'ailleurs, Endo Masashi, directeur d'animation sur Lettre à Momo, a pu travailler en tant qu'animateur sur le film de Takahata. Après avoir tourné pas mal en festival, ce long métrage sera en VF et VOST dans les salles françaises le 25 septembre grâce au film du Préau. Cela peut être l'occasion parfaite pour une sortie en famille, cet animé pouvant plaire à tous les publics. Narushima Hiro n'est pas un jeune homme comme les autres. Depuis son enfance, il est en effet capable de voir les flux d'énergie. Peu de temps après la catastrophe de Fukushima, l'entreprise pétrolière qui l'emploie le convie à un projet de recherche extrêmement ambitieux. Il lui faudra trouver une énergie propre de nouvelle génération, capable de surpasser toutes les autres. Dans sa mission, il sera accompagné de 3 autres employés de la société. Le directeur, Tadada Hiroshi, la plus que séduisante Hirosue Miyuki, et le débile mais fougueux Sakuragi Nobuki. Parler de recherche et de politique sur l'énergie de manière divertissante, tel est le défi qu'ont souhaité relever les éditions Shueisha avec HE, The Hunt for Energy. Et pour insuffler ce qu'il fallait de patate à une telle histoire, elles ont fait appel à un artiste au style ultra dynamique. Boichi est en effet l'auteur sud-coréen de Sunken Rock. Ce titre déjanté, publié en France par Doki Doki, relate l'épopée urbaine de Ken, un jeune voyou qui deviendra chef de la mafia par la force de ses poings. Hiro, le héros du manga HE, ressemble d'ailleurs énormément à ce Ken. De manière générale, on retrouve le style de Boichi dans ses dessins expressifs et nerveux à souhait. Et tout comme dans Sunken Rock, l'auteur n'est pas avare en illustration de belles nymphettes.
Pourtant, H.E. de Hunt for Energy est loin d'offrir un scénario décérébré. Au-delà de son pitch fantaisiste, le titre traite des questions d'énergie avec une pédagogie admirable. Dans ce premier tome, on apprendra ainsi pourquoi le pétrole est actuellement l'énergie la plus rentable et pourquoi il est aussi difficile, de fait, de trouver des alternatives intéressantes. Un graphisme plein de punch et une histoire aux incessants coups de théâtre, le tout au service d'une thématique très sérieuse. Voici une nouvelle série étonnante, comme seul le manga peut en proposer. Un premier tome à découvrir donc, car avec Boichi, Energy is sexy. Et 続いてのコーナーはルポッタージュ。フランス語難しいですね。私は高校の時実はフランスにいました。パリの高校で、でもインターナショナルスクールだったので、どっちかって言えば英語の方が得意です。でもフランスでとってもたくさんライブをするので、これからどんどんもうちょっと勉強していかなきゃなと思ってます。あと、Believe、シェールのカバー曲なんですけど、出たばかりです。すっごいアゲアゲチューンなので、ぜひぜひみんな聴いてください。La saga Pokémon a parcouru beaucoup de chemin depuis les épisodes rouges et bleus en 1996 au Japon. Les monstres de poche se sont imposés partout dans le monde et ont continué de séduire les nouvelles générations en évoluant avec les consoles portables de Nintendo. Avec Pokémon Noir et Blanc 2, la série avait atteint les limites de la DS déjà vieillissante. Les joueurs attendaient avec impatience un épisode sur 3DS, bien sûr en 3D, mais aussi avec des innovations du jeu lui-même. Ce sera chose faite le 12 octobre avec deux nouveaux jeux, Pokémon X et Pokémon Y. Et il y a effectivement des nouveautés. そこの基本の RPG のスタイルはそのままに、今回は友達と一緒に出かけることになります。そしてポケモンも 3D モデル化しまして、立体的になりましたので、カメラアングルとか含めて迫力のあるバトルができるようになりました。そして特徴的なのはポケパルレというのがあるんですけども、ポケモンを可愛がっていく、今まで多分皆さんポケモン触りたいっていう思いがすごい強かったと思うんですけど、ついにこう下画面で触れることができるようになりましたので、これで可愛がって、そしてその可愛がったポケモンは実はバトルでちょっとプレイヤーに対してあることをしてくれます。そのあることっていうのは技を避けてくれたり、とてもプレイヤーにとって嬉しいことをポケモン自身がしてくれるっていうのも、今回の特徴なんではないかなと思います。 L'écran du bas de la console propose maintenant trois fonctionnalités: l'interaction, l'entraînement et le social. L'interaction permet de jouer avec ses Pokémon d'une manière qui rappelle furieusement Nintendogs. Un autre écran permet d'entraîner un Pokémon pour en augmenter les caractéristiques avec des mini-jeux. バトルがそんなに強くない人とバトルが強い人の差っていうのがものすごいついてしまうところを、そんなにバトルのこと知らないんだけど、今回基礎ポイントっていうのが表示されるようになったんですけど、それをその、特訓してスパトで特訓して鍛えていくと、意外と、上手い人ともバトルできるっていう環境をどうにかして作れないだろうかっていうことで、今回スポーツしながら、特訓しながらポケモンを鍛えていくっていう要素を入れました。それがスパトレになります。Le dernier écran représente la fonctionnalité sociale. On peut y défier les adversaires proches de soi ou par internet ou que l'on soit dans le jeu. プレイヤーサーチシステム、略して PSS っていうのを下画面に常時表示するようになってまして、周りにいる友達を、ポケモンプレイしている友達を、そのキャラクター主人公のキャラクターを、表示していくようになっています。で、この表示しているのは何かっていうと、この表示しているキャラクターを選ぶとその人に通信しに行くっていうことになっています。対戦交換はもちろんなんですけども、プロモーションビデオというのが今回あるんですけども、その友達が作ったプロモーションビデオを見ることができたりとか、あとオーパワーといって、友達がバトルでちょっと困ってる時に助けるパワーを送れるっていうものがあったりとか、あとは、ミラクル交換という世界中の誰とでも簡単にポケモンを交換できる仕組みがあったりと、非常にワイヤレスと
インターネットっていうのをボタン一つで切り替えられるようなシステムになってます。La direction artistique du jeu a évolué. On sent qu'il y a un nouveau style. 今までポケモンの UI っていうのは割とポップだったんですけども、どちらかというとこうビジュアルを重視して、まあ、結構キラキラしたりとか、まあ、美しさをメインにあの UI も組み立てたっていうところ。これによって一番大きなところは、まあ、カメラアングルをいじれる、まあ、変えられるっていうことなんですけども、カメラアングルを変えることでここは美しく見せたいなとか、どんなアングルでどんな表情を見せていくべきかっていうのを、今回はより深く見せることができていますので、まあ、パッと遊んだ感じでもあの美しさっていう、まあ、テーマにしている美しさっていうのを感じれるようになってるんじゃないかなと思います。Mais depuis que les premières images du continent de X et Y, Kalos, ont été présentées, les fans ont cru remarquer que ce monde correspondait à la France. 美しい場所ってどこだろうと思った時に、やっぱりあの世界一観光客が多いっていうのは、まあ、フランスになりますし、あとは、まあ、あの料理とかファッションとか、あと、まあ、言葉とかでもあの美しいと言われていたりしますし、まあ、その美しいに対するこだわりを持っている国なのではないかなと思いまして、なので、1ヶ月ぐらい、フランスを旅行個人的にしまして、いろんなところを回って、その美しさを確認して回ったんですけど、これはフランスしかないなと。なんかその場所場所によって全然こう違う見え方がして、なんかこう写真撮りたくなるっていうのがすごいなんかパワーがあるなと思いまして、あのまあモチーフなんで今回あのカロス地方、カロスっていうのはあの古典ギリシャ語で美っていう意味なんですけど、美しいっていう意味なんですけど、そのカロス地方っていうところに、まあフランスを当て込んでるフランスの、まあ、モチーフにしたものなので。 Ces nouveaux épisodes ont aussi été l'occasion pour Game Freak de revoir l'équilibrage du jeu en introduisant un nouveau type de Pokémon, le type fée. まずですね、まあ、バトルをやってる人だとわかると思うんですけども、ドラゴンが非常に強い、ドラゴンタイプが強いっていうのが、ありました。で、今まで、それでもあのバランスを取るようにずっと、何年も何年もタイプ、新しいタイプを増やさずにやってきたんですけども、まあ、今回、まあ、ついにといいますか、まあ、思い切って変えてみようということで、ドラゴンタイプを弱くするのではなくて、ドラゴンタイプに太刀打ちできるタイプとしてフェアリーというのを、新しいタイプを入れました。それで、まあ、18種類になるんですけども、これでまたあのどのポケモンが強いか。Mais la refonte de l'équilibrage ne s'est pas arrêtée là, car une nouvelle évolution a été introduite, c'est la méga évolution. 特徴っていうのがもともと進化っていうのが特徴だと思ってますので、今回作るにあたって、進化というのもテーマにしました。で、これは何かというと、まあ、進化って、さらに、こうポケモンで驚かせてみたいっていう思いがあったので、この進化をテーマにしてるんですけども、とは言っても、まあ、皆さんご存知の通り、大体進化すると大きくなって強くなるっていうイメージがあると思うので、そのままやってしまうとやっぱりバトルのバランスを崩してしまったり、グラフィックデザイナーが、まあ、そのさらに先を描けるかっていう、まあ、さまざまな問題もありまして、それを、まあ、一番いい形に持っていこうということで、結構話し合いました。で、その時に考えついたのがこのメガ進化になります。で、まあ、今までの、例えば、ミュウツーが、メガミュウツーになるというのは、バトル中だけなんですけども、バトルで、この進化することによってタイプが変わったりとか特性が変わったりするというところで、まあ、バトルが一つ深くなるっていうのと、あとアイテムを持たせるので、メガストーンというものを持たせるので、これによって、このミュウツーというのがメガ進化するものなのか、それとも、違う道具を持っているだけなのかっていう読み合いになったりするというところで、まあ、バトルが深くなる。
我々デザイナーもすごいテンションが上がったんですね。ただ実際やってみますと結構デザインが洗練されているところからさらに一つ上 の, デザインを考えなきゃいけなかったということで、実は非常にメガ進化ってすごい難しかったんですね。なんでいろいろ難しいながらも、大事にしなきゃいけないところがあったので、まずそのフォルムチェンジではなく一時的なパワーアップっていうところをメインに、元のポケモンが何であるかっていうところ と,、どこが強くなったのか、あと元に戻れそうな形である、元のファン の, イメージを崩さないように、もともとかっこいいポケモンがその可愛くなってしまったりとかってことはないように、元のファンのイメージを、大切に、かっこよく、斬新に進化させたところです。 Comme vous le savez si vous suivez Skill sur No Life, Pokémon propose chaque année un championnat du monde très disputéワールドチャンピオンシップスはねすごいと思いますね。毎回違いますし、毎回流行りとかもありますし、なんでそんなポケモン使っていくんだろうっていう、みんなって驚くような組み合わせを出してきたりもしますし、この辺は結構なんでしょうね、それぞれのプレイヤーの持ってるアイデアであったり、そのなんか組み合わせみたいなのの国によっても結構違うとは思うんですけど、それが全て見れるのがワールドチャンピオンシップスなんじゃないかなと思って、毎回すごい楽しい大会になってます。ポケモン X et Y est une évolution majeure de la saga. Il y a bien sûr le point de vue graphique avec la 3D qui permet aussi une customisation poussée de son personnage. Mais la différence sera aussi sensible sur les nouvelles fonctionnalités. Le rééquilibrage du jeu et l'évolution des capacités sociales semblent très prometteurs. Rendez-vous le 12 octobre. ビデオゲームといえば、私は二の国今やってるんですけど、すごい難しいから途中で今まだ止まっちゃってて、でもパリにいる間には全部制覇したいなと思ってます。それでは本日の忘れられたゲームの歴史ご覧ください。Mes chers enfants, j'espère que vous avez bien dormi cette nuit, parce que moi j'ai fait un rêve super bizarre. Ah bah figurez-vous que j'ai rêvé que les éditeurs tiers se précipitaient pour sortir des jeux sur Wii U. Alors je vous le répète, hein, c'était juste un rêve, hein, évidemment. Tout ça m'a tellement perturbé qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de LSD. Une expérience elle-même aussi très troublante. Quoi ? Mais non, LSD c'est un titre sur PlayStation, rien à voir avec la drogue. Quoique... LSD est sorti en novembre 1998 au Japon chez Asmic Ace Entertainment. Si l'on en croit le sous-titre, LSD est en réalité un Dream Emulator, c'est-à-dire un émulateur de rêve. Déjà, rien qu'avec ça, on peut s'attendre à quelque chose de peu commun. Et en effet, vous n'allez pas être déçu. Dans LSD, vous vous déplacez en vue FPS dans un monde aussi étrange qu'incompréhensible. Ici, tout ce que vous faites ou tout ce que vous voyez n'a ni queue ni tête. Vous errez ça et là sans le moindre challenge à relever et sans aucun but particulier. Tout ce que vous aurez à faire sera de vous déplacer, d'observer l'univers tordu qui vous entoure et de vous laisser transporter dans diverses dimensions sans logique ni repère. Un éléphant qui vole, deux sumos en papier qui se battent dans un monde organique... Tout cela est absolument normal dans LSD. 3DS, une remarque ? En fait, LSD est l'acronyme de Lovely Sweet Dreams. Il n'y a donc rien à voir avec les fameux psychotropes hallucinogènes. Maintenant, la question c'est plutôt de se demander qui fait de tels rêves. Avec son univers ultra psychédélique et son gameplay aussi poussif qu'inintéressant, LSD pourrait facilement passer pour le logiciel le plus inutile de toute la ludothèque PlayStation. Pourtant, quand on se penche d'un peu plus près sur son concept initial, on prend rapidement conscience qu'on aurait tort de considérer cette galette pour ce qu'elle n'est pas. En réalité, l'intention de départ de LSD est totalement inédite. Voici d'ailleurs comment est née cette production hors du commun. Nishikawa Hiroko est une jeune japonaise a priori lambda, mais qui a une drôle d'habitude. En effet, tous les jours et ce depuis 10 ans, elle consigne dans un cahier tous les rêves qu'elle fait la nuit. Et un beau matin, elle se retrouve à en parler à son collègue Sato Osamu, un artiste multitalent japonais. Elle va même jusqu'à lui faire lire son journal intime. Ce dernier, fasciné par la richesse et l'originalité de ses récits oniriques, fantasme à l'idée de pouvoir vivre lui aussi des rêves de la jeune femme. Et pourquoi pas de les partager ensuite avec le grand public. Il cherche ainsi un moyen de parvenir à son but et réalise rapidement que le jeu vidéo s'avère le média le plus adéquat pour concrétiser son envie. Heureusement pour lui, la société Asmic Ace accepte de soutenir cette initiative pour le moins risquée et édite ce que l'on peut sincèrement considérer comme l'une des productions les plus improbables de toute la planète.
véritable histoire. S'immiscer dans une interprétation des rêves d'autrui est une expérience perturbante. À ce propos, je vous déconseille de jouer à LSD seul, dans le noir et avant d'aller au lit, parce que ce que vous allez vivre est assez déroutant. C'est d'ailleurs sûrement pour cela que la notice du logiciel préfère carrément prévenir l'utilisateur en indiquant. En jouant trop longtemps à LSD, il se peut que vous vous sentiez un peu bizarre. Pour votre santé, nous vous recommandons d'éviter d'y jouer moins de 30 minutes avant de vous coucher, sous peine d'augmenter le risque de faire de véritables cauchemars. PS Vita ? Oui, l'approche artistique de cette production a effectivement été un élément important à l'époque. Parallèlement au jeu, Asmi Case a en effet édité le carnet de Mademoiselle Nishikawa sous forme de livre illustré. Et ce sont cette fois plus de 80 artistes qui se sont amusés à réinterpréter les rêves de la jeune femme par le biais d'illustrations et de dessins tous plus étonnants les uns que les autres. Ce carnet, tout comme le jeu en lui-même, sont aujourd'hui très rares et très recherchés des collectionneurs. Il vous faudra même dépenser plusieurs centaines d'euros pour espérer mettre la main dessus. Maintenant, vous vous demandez sûrement, LSD, arnaque ou bien chef-d'œuvre de la PlayStation? Pour ma part, je ne suis pas vraiment fan, mais il m'est difficile de parler d'arnaque pour autant, parce qu'à l'arrière de la boîte, dans le descriptif du jeu, Sato Osamu a au moins l'honnêteté de préciser la chose suivante aux éventuels utilisateurs. LSD n'est pas un jeu vidéo ludique au sens propre du terme. Si vous voulez faire la cour à des jeunes filles virtuelles, botter l'arrière-train d'un énième roi des enfers, ou bien prendre les commandes d'un robot suréquipé, alors nous ne saurions que trop vous conseiller de ne pas acheter ce logiciel. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Et la pub télé, car oui, il y a eu un spot TV pour ce jeu, ne tente pas non plus de leurrer les consommateurs. Jugez plutôt. Is this legal? Bref, mes enfants, je crois qu'il faut prendre LSD pour ce qu'il est. Une œuvre d'art pour certains, et pour d'autres comme moi, une expérience interactive, inédite et déroutante. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine, je vous demande de tenir un journal et d'écrire tous les rêves que vous allez faire. Par contre, Wii U, fantasme pas trop quand même. Hein. の時間になってしまいました、実はですねじゃん、私のミュージックリップ Close My Eyes これは、世界配信サイトビートポートからトップ10になりました、ぜひぜひみんな私のミュージックリップに投票してくださいお願いします、またフランスに来た時頑張りますバイバーイ